jeu, c'est parti. Dites-moi, Darren, qui sera pour vous le joueur de cette rencontre? Sergio Busquets. C'est un peu le pivot de cette équipe. C'est lui qui équilibre attaque et défense. Il fait ce qu'on appelle le sale boulot. Mais qu'est-ce qu'il le fait proprement? D'accord, merci pour ce petit pronostic. On va voir maintenant. Luis Gustavo. Dans le dos de la défense. Un centre au cordeau. Luis Suarez. À la barre. C'est puissant sur l'aile. On joue sur l'aile, il est servi. Le ballon sort en touche. On peut y aller. Pas loin, mais ça ne rentre pas. Oh, quelle occasion! Ça aurait pu faire mouche. De la tête. Oh, pas de chance sur ce coup. Cuidado, cuidado. 0-0, les deux équipes se neutralisent. Et ce ballon jusqu'à l'autre aile. La passe en profondeur sur le côté. Il peut repiquer dans l'axe. Un ballon devant la cage. C'est bon, le danger est repoussé. Oh, l'occasion! Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. Brahimi. C'est bien ce qu'il fait côté gauche, mais ça manque de soutien. Bien joué, ça! Le gardien est là, pas de problème. Et nous voici bientôt à la mi-temps avec ce score nul et vierge. À lui de bien jouer le coup maintenant. Oh, Luis Suarez. Il est arrivé à se mettre en position, mais il n'a pas pu déclencher. C'est joué long, attention. C'est bien fait, ça. L'accélération. On peut frapper, là. Ça n'était pas un ballon facile, mais il a bien mis la main. Bien joué. Sergio Busquets. Le coup de sifflet de l'arbitre avec les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires pendant cette pause. 15 minutes qui vont faire le plus grand bien. 0-0, on espère juste voir un tout petit peu plus de jeu dans la seconde période. C'est un match fermé pour le moment. On va voir si ça se débloque dans cette seconde période. Il joue dans l'espace. Mais il est sorti du jeu. Un long ballon vers l'avant. Oh, Luis Suarez. Pour trouver la faille dans la défense. Il tente de la jouer dans l'espace. Ça passera sur le côté. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. C'est moi ou ça manque un tantinet de but dans ce match? Maicon. Une occasion! Attention, la frappe! C'est dégagé loin. Toujours pas de but ici alors qu'on se rapproche tout doucement de la fin du match. Oh, Luis Suarez! Il récupère le ballon. Ça joue à gauche. Celle-ci était trop longue. Ouf, le sérieux coup de chaud, ils s'en sortent bien. Ça s'active sur le bord du terrain, on devrait assister à un changement. Allez, il faut mettre le pied sur le ballon. Non, là, ça ne passera pas. Avantage défense. Il pourrait faire rentrer des joueurs frais, il leur reste deux changements. Luis Gustavo.
Brahimi. Maicon. Il glisse le ballon en profondeur. Il reçoit le ballon. Il peut conclure. On était tout près d'un but exceptionnel. Ah ça, ça tricote. C'est le genre de joueur qui peut faire la différence à lui tout seul. Il est lancé vers le poteau de corner. Allez, c'est le moment de faire la décision. Dans le dos de la défense. La belle interception. Ça ne passe pas. Il a terminé son échauffement, se rapproche du terrain. Un changement va intervenir sous peu. Et voilà, ils font entrer le tour de contrôle. Ils vont essayer d'utiliser sa taille, bien sûr, pour tuer le match. Il peut en profiter. Allez, c'est dangereux. Oh, c'est un copier-coller de celle qu'ils ont manqué plus tôt. Il domine carrément en ce moment et s'est passé tout près 2-3 fois. On sent qu'à force de tenter, ils vont finir par réussir. Il a failli marquer un nouveau but. C'est vraiment un joueur à part, du genre à pouvoir décider. L'arbitre siffle la fin du temps réglementaire, on va donc vivre une prolongation. Le 0-0 ne reflète pas la qualité de ce match, c'est vrai. Les défenseurs ont pris le dessus sur les attaquants, mais ont quand même assisté à de belles séquences. L'arbitre vient de siffler la fin du match, du moins la fin de la deuxième période, car les deux équipes se sont neutralisées jusqu'au bout. On va donc jouer maintenant la prolongation. Quel but! Et c'est dedans! Ça pourrait être le tournant du match, un but importantissime. Oh, c'était une énorme frappe. Alors là, c'est tout simplement beau, dans l'intention et dans la réalisation. Ils ouvrent le score, c'est un but qui vaut cher. Encore une bonne intervention. S'il le trouve, il écarte, ça joue long. Allez, ça peut faire mal. La défense bien présente. Oh, ça aurait dû faire 2-0 ça. Il aurait pu donner de l'air à son équipe. Il va être déçu, c'est sûr. Il peut frapper. Ils auraient pu tuer le match, là. On sait de quoi il est capable. C'est un cauchemar pour les défenses. Et si on veut le marquer individuellement, eh bien, on prend le risque de laisser des espaces pour ses coéquipiers. Quelle solidité. Bien joué. Quelle passe. Neymar. Oh, le petit ballon piqué. La tête, elle est magnifique. La défense tient bon. On est à la moitié de cette prolongation. Les deux équipes nous ont montré beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté. Les joueurs ont beaucoup donné. Ça va jouer dans la tête maintenant. C'est reparti. La tension est à son comble maintenant. Regardez justement les entraîneurs sur la touche. En tout cas, voyons ce que nous réservent ces dernières minutes. Pour trouver la faille dans la défense. Maicon, qui choisit le côté gauche. Va-t-il en profiter? Il file vers le but. Oh, la grosse occasion! Le but capital! Et ça va au fond des filets! Et il recolle dans les toutes dernières minutes de cette rencontre. Il a bien analysé la situation avant de très vite faire la différence. La défense n'a jamais pu le rattraper. On est dans les toutes dernières minutes du match et les deux équipes sont maintenant à égalité. Allez, il faut aller chercher les résultats, c'est bientôt fini. Faut vraiment se réveiller.
rond, eh bien on va avoir droit à une séance de tir au but. Les équipes n'ont pas réussi à se départager, alors it's time for penalties. La suspense. Toujours pas de vainqueur à l'issue de cette rencontre. La décision va donc se faire au tir au but. La pression est énorme. La séance des tirs au but va bientôt commencer et c'est toujours, toujours une loterie. Neymar qui va ouvrir cette séance des tirs au but. Oh, c'est bien frappé, rien à dire. Quel calme, quelle sérénité. Il est incroyable, il ne laisse aucune chance au gardien. Quelle parade! Oui, mais il est trop fort là, le gardien. Regardez, à mon avis, il a réussi à déconcentrer le tireur. C'est l'occasion de compter deux buts d'avance. Il creuse l'écart. Déjà deux buts de retard, il doit absolument marquer là. Le gardien avait bien senti le coup, mais il est battu. Il a vraiment eu les nerfs solides, ce n'était pas facile de la mettre. Attention, ça peut leur permettre de faire le break. Le gardien est battu. Il double leur avance. Il doit marquer, sinon ils auront trop de retard dans cette série. Ça paraît simple comme ça, mais pour frapper un penalty de la sorte, il faut un moral d'acier. C'est important, ils peuvent prendre deux buts d'avance là. Les voici avec deux buts d'avance. Il faut la mettre au fond, sinon c'est terminé. Attention, s'il rate cette frappe, ça sera fini. Et le ballon dans les filets, tout n'est pas terminé pour eux. Et bravo, c'est le pénalty parfait, joli contre-pied. Attention, tir au but décisif. Si ça rentre, c'est gagné. C'est dedans, le tir au but de la victoire. Ils l'ont fait, ils ont gagné la coupe, ils ont atteint cet objectif après tellement d'efforts, de buts, de grands matchs. Bravo à eux. Barcelone qui peut enfin savourer un moment unique. La coupe est là, après tous ces efforts, la fête ne fait que commencer. Qui en fait.